Le gouverneur Constant Saurin choisit de mener une politique très répressive. Et dans le cadre de sa politique répressive, on peut citer des répressions particulièrement terribles de manifestations. On a le souvenir de ce qui se passe à Port-Louis le 30 avril 1943, où la gendarmerie tire, où il y a un mort, Auguste Gène. On peut aussi penser à la manifestation du 2 mai 1943 à Basse-Terre, où la gendarmerie reçoit l'ordre de tirer sur une foule de manifestants, et où il y a un mort, le jeune Lhistoire Balgui. On pense aussi à la manifestation qui se déroule à Pointe-à-Pitre dans la nuit du 2 au 3 juin. Il n'y a pas eu de tir, il n'y a pas eu de répression faite par la gendarmerie, mais on sait qu'il y a eu beaucoup d'arrestations parmi ces résistants qui n'ont pas eu le temps de fuir à la Dominique. Donc, il choisit de mener une politique répressive et le gouverneur Saurin sera vite détesté.